Conducteur entre tous ces travaux, c'est la carte. C'est la carte qui relie tous les travaux. Et le second fil conducteur, c'est le corps. Voilà les éléments qui reviennent dans ce travail. Quand je parle de cartographie mentale en fait parle de la cartographie que nous construisons dans notre mental. Et comment cette cartographie bouge au fur et à mesure qu'on se déplace. Selon nos pensées et selon les réalités que nous vivons. J'ai une capacité de travailler le portrait qui vous permet de rentrer dans les personnages, de limite les connaître. Et aujourd'hui, je vais acquérir deux pièces. Donc j'hésite encore. Celle-ci me parle, celle-ci aussi, et les deux. Donc j'hésite encore, mais... je crois que l'espace dans lequel on se trouve, Douala, n'a jamais vu autant de personnes. Ça montre aussi que l'art contemporain se développe de plus en plus, que les Camerounais s'y intéressent. Les plus nantis aux plus riches. Et c'est important parce que finalement l'art, et Jean-David Coche l'exprime vraiment très bien, c'est un carrefour des cultures, c'est un carrefour de la société. Ce sont des gens qui se rencontrent autour de valeurs communes. Voilà. Donc c'est un super moment qu'on passe ici. Je pense qu'il y a plus de visages de jeunes hommes parce que le travail de Jean-David Coche est basé sur les voyageurs clandestins. Et donc je pense que la cible ici c'est plus les jeunes hommes. Donc je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a plus d'hommes, de jeunes hommes sur ces peines-là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, vraiment, c'est intéressant de voir la finalité. Moi. Non, Ruth, je suis bluffé. Bluffé d'abord par la manière dont il manie son pinceau. Je suis bluffé par l'installation. J'ai vu l'installation tout à l'heure. Ah oui. Qui magnifie le travail. Si vous regardez, vous avez l'impression, même si... il y a une chape de plomb qui est au-dessus de nous, qui dit tous les jours que le travail n'est pas toujours ce que l'Occident nous fait projeter ici. Il met tout ça en exergue pour permettre de comprendre, de faire savoir aux uns aux autres que seul le travail peut nous permettre d'arriver là où on va. Je suis donc très content quand mon fils regroupe plus d'un homme, plus d'une personne, plus d'une nation, plus d'une tribu, plus d'une langue à venir voir ce qu'il fait. Je pense que ça ne peut que faire la joie pour tout un parent comme moi.
ce soir Corée-Espace, Jean-David Note, un grand moment. Il a fait l'osmose entre les deux concepts, il a compris que le corps était un espace et que notre corps n'était rien d'autre qu'une expérience de l'espace. Une diaspora revisitée, un Cameroun idéalisé à travers des corps incroyables, des couleurs qui mettent la vie au cœur de la toile. Un cri des enfants, des toiles fabuleuses, un artiste, un grand artiste qui mérite vraiment tout le public qu'il a ce soir et évidemment toute notre admiration. Il lève encore une fois de plus cette année avec beaucoup d'autres artistes camerounais, la culture camerounaise est là, c'est l'effervescence. Moi, cela fait 3 ans que je suis au Cameroun, j'ai le cerveau en effervescence et j'espère seulement ne pas me dissoudre. Pour moi, ce travail n'est qu'une suite logique d'un engagement sur comment aujourd'hui la cartographie peut être l'élément essentiel pour nous parler de notre réalité.